Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Age of Empire Mobile. Aujourd'hui les amis, nous allons parler commandants légendaires. Les plus connus sont présents dans Age of Empire Mobile. Quels sont les meilleurs? Alors oui, il y en a plein, faut faire un choix. On a Jeanne d'Arc par exemple, célèbre commandant française durant la guerre de 100 ans. On en a d'autres, hein, d'autres régions. On a par exemple Miyamoto, un légendaire samouraï japonais qu'on retrouve dans bien d'autres jeux évidemment. Mais là, moi j'adore le style graphique qu'ils lui ont donné. On en a d'autres aussi hein, qui sont très très utiles. On a notamment Mulan. Alors Mulan c'est pareil. On la présente plus. Intrépide guerrière chinoise. Bref, tous les plus grands sont là. Et on va s'intéresser très particulièrement à Richard Ier. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Et surtout les amis, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne. C'est ultra simple, c'est le premier lien en description de toutes les vidéos. Les amis, vous ne pouvez pas le rater, vous y retrouvez les infos, les guides, les tutos, les tips. Bref, tout sur tous les jeux que vous pouvez voir sur la chaîne. Donc n'hésitez pas les amis. Les amis, donc je vous le disais, on va parler de Richard Ier. Faut-il le monter? Est-il intéressant? Que valent ses skills? En tout cas, il est disponible à présent dans la roue. Et comme je vous l'ai dit, hein, j'ai eu le plaisir de le débloquer. Alors déjà, il faut savoir que Richard Ier, hein, c'est un commandant spécialité lancier. Et en termes de binôme, le pairing, hein, évidemment, hein, le pairing est plutôt limité, mais je vous conseille hein, un petit pairing qui fait plaisir hein, de le mettre avec Jeanne d'Arc, Richard Ier, Jeanne d'Arc. Ça fonctionne plutôt pas mal, très bon commandant Richard Ier. Hein. Vous pouvez inverser, mais moi je vous conseille de le laisser en lead. Au niveau de ses compétences, de ses talents, alors déjà, oui, il faut le monter plutôt rapidement. On va le monter tout de suite, je viens de le débloquer. On va le monter au niveau 20 pour avoir les compétences débloquées. Alors je dois avoir plus gros comme tome, ouais, j'ai un petit peu stock, hein, donc on va pouvoir le monter rapidement. Voilà, on est niveau 20 à présent, on va avoir accès à plusieurs choses, hein, aux talents notamment. Comment monter ses talents, maîtrise tactique, vers quoi on se dirige, hein. On aura le temps de voir tout ça. Au niveau de ses skills, déjà, comme vous le voyez, on a un premier skill, hein, le skill de Richard Ier, surmonter, inflige des dégâts de puissance jusqu'à 3 troupes ennemies proches. Augmente les dégâts en fonction du nombre actuel de cumuls de marquage du cœur de lion. De plus, réduit la vitesse de déplacement de la troupe ennemie pendant 3 secondes. Très utile contre la cavalerie quand ils essayent de se barrer. Un premier skill en coup de colère 250. On est sur du classique. Hein. Vous voyez, on peut cliquer. C'est ça que j'aime bien, hein, cette petite option pour cliquer sur les compétences. Inflige des dégâts de puissance jusqu'à 3 troupes. Taux de dégâts 198% à 230%. On a aussi le lien vers le marquage. Réduit la vitesse de troupe de 11% à 12,80% pendant 3 secondes. Les marques peuvent être placées sur le héros ou les troupes. Les compétences déclencheront les effets en fonction du nombre de marques. Petite règle hein, pour ceux qui l'ont oublié ou qui l'ont jamais vu, qui débutent dans le jeu. Hein. Lorsqu'un héros est amélioré au niveau 40, la compétence de commandant est automatiquement améliorée du niveau 20 ou du niveau 15 au niveau 20. Les petites règles hein, sur les commandants. Les compétences de commandant doivent être utilisées manuellement. Vous pouvez également activer l'activation automatique des compétences. Et c'est là qu'on retrouve un aspect très stratégique et spécifique à Age of Empire Mobile. Chaque compétence est modifiable, vous allez le voir, et elle doit être utilisée en fonction de l'environnement. Vous avez contre-attaque par exemple, garde, riposte, tourbillon, bref, beaucoup de compétences, mais chacune doit être modifiée et utilisée vraiment selon le contexte de l'open field ou pas, le type de troupe en face, le type d'environnement que vous allez vouloir combattre. Vraiment, c'est une des particularités stratégiques du jeu et il faut l'utiliser de manière très précise. Les compétences de commandant ne peuvent être activées que lorsque la troupe a une colère complète, lorsqu'elle a suffisamment de points de colère, évidemment. Seul le commandant d'une troupe peut activer la compétence de commandant, pas le commandant second ou le troisième commandant, oui, c'est le commandant primaire, hein. Il peut claquer ses compétences. Les compétences de commandant ne peuvent pas être activées pendant un ralliement.
Heureusement, hein, sinon ça deviendrait n'importe quoi. Les compétences de commandant ne peuvent pas être améliorées manuellement et seront automatiquement lorsque les héros seront améliorés. Classique, n'oubliez pas de monter votre taverne, les amis, important si vous voulez monter votre commandant au niveau maximum. Les compétences de commandant peuvent être activées pour interrompre certaines compétences de boss. Oui, pas de souci. 3 héros se relaient pour diriger leurs unités attaquées. Chaque tour dure une seconde. Les unités peuvent toujours attaquer même s'il n'y a pas d'héros dans l'emplacement correspondant pendant un tour. L'efficacité des compétences actives, des compétences d'un héros, de compétences et de frappes secondaires des compétences basées sur des tours et déterminées lorsque c'est tour du héros d'attaquer. Bref, classique. Donc, Richard 1er, on le met avec Jeanne d'Arc. Après, si vous voulez le faire tourner aussi, il y en a d'autres, hein, des compétences lanciers mix. Darius 1er peut être pas mal également. Revenons-en à notre ami Richard 1er qu'on a déjà monté. On est bloqué au niveau 35 pour le moment. Au niveau des rangs, le premier rang augmente le taux de dégâts de la contre-attaque de Cœur de Lion de 40%. Vous pouvez l'avancer, je vous conseille de garder vos marques. Vous voyez, quand on a là, on peut accéder à l'event légendaire obtenu en participant à l'event. Sinon, on peut avancer différemment. On peut avancer, hop là, je me suis trompé, en échangeant des médailles de héros légendaires universels. Je vous conseille tout de même de garder au maximum vos marques universelles. Vous en aurez besoin sûrement lorsque vous allez à vous affirmer dans le jeu. Richard 1er reste un très bon commandant, mais c'est un commandant tout de même qui est relativement récent dans le jeu. Je vous conseille à ce stade de faire du stock, sauf si vous êtes blindax et d'utiliser vraiment que les marques liées au commandant pour le monter. Sachant que quand on arrive hein, au rang 5, hein, augmente le taux de dégâts de la puissance 2 surmontée de 220% et augmente l'effet de ralentissement de 20 à 30%. C'est pas mal du tout pour ce premier niveau. Dans le reste de ses stats, vous voyez, plus il monte en niveau, plus on va améliorer sa puissance, ses compétences, son armure. Regardons au niveau de ses autres skills. Hein. Au niveau de ses autres skills, hein, on a, hop là, donc on était sur surmontée, on a cœur de lion, on a contre-attaque. Et on a vigilance au niveau de cœur de lion. Chaque fois que la troupe subit, et on va le mettre tout de suite comme ça, hein, chaque fois que la troupe subit est touchée par une attaque normale, accorde un cumul de marquage de cœur de lion, celle du skill numéro 1. Après avoir atteint 20 cumuls, elle inflige une instance de dégâts de puissance à la troupe ennemie, 83,44 à 88,48 de bonus. Hein, tous les cumuls de marquage de cœur de lion sont immédiatement supprimés. Bah ouais, ça lui met une tique, un coup. Et ça supprime. Compétences qu'on peut améliorer pour débloquer les autres. Eh bien, il faut tout simplement monter en niveau. Vous voyez, niveau du 25, ça se déverrouille automatiquement. Si on clique sur le détail, vous voyez, on a même un petit peu plus de détails. La marque Cœur de Lion, faut forcément l'améliorer. Là-dessus, vous n'avez pas le choix. Donc, j'ai un petit peu de stock. Je l'améliore. Vous n'avez pas le choix de l'améliorer parce que plus vous aurez de marquage, plus ça fera de dégâts et plus ça vous servira. Ça vous servira. Pour surmonter, bon, j'ai atteint la limite puisque, évidemment, on est limité au niveau du premier skill. Vraiment, Richard 1er, très intéressant comme commandant. Vous le voyez, il ralentit, il a des dégâts vraiment très intéressants. Donc, c'est pour ça qu'actuellement, je vous conseille de le débloquer si vous le pouvez. Petite ellipse, le temps de le monter niveau 40, vous voyez, comme ça j'ai débloqué toutes les compétences secondaires et on peut poursuivre son évolution. Au niveau donc de ses compétences secondaires, pour y accéder, si vous n'avez jamais testé, vous cliquez dessus et vous allez sur plus de compétences et vous pouvez switcher sa compétence. Par défaut, on est sur contre-attaque et vigilance, vous le voyez, les deux sont là. Ces deux sont pas mal, hein, mais il y a peut-être un meilleur pairing à faire en termes de skill. On peut aller sur ténacité, par exemple. Il faut la déverrouiller, il y a un coup. Alors attention, si vous switchez les compétences secondaires, je vous conseille de ne pas le faire plusieurs fois. Choisissez bien, regardez bien les bons guides pour bien choisir cette compétence, car vous allez vraiment avoir besoin des skills par la suite. Donc par défaut, vous avez contre-attaque. Lorsque il est touché par une attaque normale, il a une chance de contre-attaquer immédiatement hein, avec un bonus de dommage. C'est pas mal ça, et d'infliger des dégâts. On a vigilance. Lorsqu'il est touché par une attaque normale, il a une chance de contre-attaquer la même hein, d'ailleurs. Hein.
Pareil, définir la description détaillée plus complète, comme par défaut, je peux lui dire oui, donne-moi le plus complet. On voit, c'est un petit peu différent, numéro 1 et numéro 2. Alors, je peux les switcher, hein, mais celle-là et celle qui est déjà là. Donc, on a, pareil, toujours sur de la vigilance, hein, on a une chance d'activation de 100%, qui peut aller jusqu'à 100% d'ailleurs, hein. Donc c'est vraiment très intéressant, on peut la faire avancer. Pareil, ne faites pas avancer vos compétences secondaires sans être certain d'avoir pris la bonne. On a aussi ténacité, récupère les unités de votre troupe toutes les 9 secondes, un taux de récupération de 65,65% de bonus d'armure. C'est pas mal du tout également. Après aussi à débloquer, on a rétribution sans peur. Quand une attaque normale touche, il y a 20% de contre-attaquer immédiatement, infligeant des dégâts de puissance à l'attaquant une fois par seconde, taux de 24-24. Par ailleurs, restaure des unités de notre troupe avec un taux de 7,45% toutes les 6 secondes. Riposte énergétique, énergique plutôt, hein. Hop là, une attaque touche et 20% de chance de contre-attaquer. Vous avez vu, on est beaucoup sur des dégâts de contre-attaque, hein. Et balayage de tourbillon augmente les dégâts de puissance du héros de 3,94 toutes les 6 secondes jusqu'à 5 cumuls. À ce stade-là, moi, quand je les lis, il faut les tester et je vais les tester. Je vous conseillerais d'essayer de débloquer un balayage du tourbillon qui a l'air très très bien. Et je conserverai l'une des deux de départ, elles ont l'air pas mal, la contre-attaque me paraît très bien, même si rétribution sans peur aussi a l'air énorme. J'hésite sur ces trois-là, contre-attaque, rétribution sans peur, balayage tourbillon, hein, elle est énormissime, c'est sûr. Je partirai peut-être sur rétribution sans peur et balayage du tourbillon au final. Pour ce commandant, voilà les amis, n'hésitez pas à le débloquer. Si vous l'avez testé, n'hésitez pas à me donner en commentaire votre avis. Je pense que c'est un excellent commandant. En open field, il va faire très très mal et il sera très efficace. Si vous avez des questions, n'hésitez pas encore une fois à les poser sur le Discord ou en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et en plus, j'adore ce petit skin là, ce Richard Ier. Il est très très bien fait et très beau. J'apprécie vraiment ce graphisme. Voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez les amis, ça me fait vraiment très plaisir et ça aide énormément le développement de la chaîne. Si ce n'est pas encore fait les amis, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Je vous souhaite un bon jeu à tous, prenez soin de vous, faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur Patatou Gaming.